Coucou les Néphérariennes et les Louloutiennes, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous redis coucou puisque j'ai fait une vidéo poupée juste avant. Donc du coup, ça fera deux vidéos aujourd'hui, comme j'ai fait deux vidéos hier. Enfin bref, donc j'espère que vous allez bien. Merci pour les nouveaux abonnés. Je suis très très contente, c'est super. Ça me fait hyper hyper plaisir. Alors là, je vais vous proposer un tout petit haul AliExpress. Donc il y a deux choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer, pardon. Parce que ce sont des cadeaux. Donc voilà, je ne pourrai pas vous les montrer. Alors, là, il me manque encore un dice que je vais recevoir normalement cette semaine. Donc, c'est prévu pour la livraison est prévue pour jeudi. Donc là, je suis agréablement surprise parce que AliExpress, ça a été très très vite. J'ai commandé alors le début novembre, vers le 3. On est le 15. Donc, ouais, c'est. Pardon. J'ai mis une dizaine de jours si vous comptez que, bon, en France, il y a eu un week-end de 3 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, niveau dice. Alors, celui que j'attends, ça sera en forme de tablier avec les ustensiles de cuisine. Donc, voilà, j'ai trouvé sur Ali. Franchement, il est trop bien. Sinon. Chez Tonton Ali, j'ai pris ces dies-là avec des robes, donc différentes, une bien cintrée, une. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, bon, une robe ample, et celle-ci, une robe aux épaules dénudées. Voilà, je l'ai trouvé très, très, très bien, ce dies-là, très beau, puisque vous le savez, je crois qu'elles sont dans le coin. Pardon, j'ai fait des petits embellissements avec des dies Coco Rosa Studio. Voilà, je prends le premier qui vient. Donc là, c'était des robes un peu plus cintrées. Non, un peu plus amples, celle-ci. Et celle-ci était plus cintrée. Voilà, j'en avais que deux. Alors, excusez pour ma chaîne dans l'œil, je dois avoir une poussière dans l'œil. Oh, c'est pénible. Ou alors un petit vaisseau qui a pété. C'est possible aussi. Donc voilà. Je peux plus vous dire les prix parce que je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est dans les deux, entre 2 et 3 euros. Entre 2 et 4, voilà, on va dire. Donc celui-ci. J'ai pris. Alors, je suis sortie aussi de ma zone de confort. Alors là, par contre, je vais vous le déballer parce qu'il y a l'étiquette dessus. Celui-là, je l'ai vu sur Bibicraft. Et quand je l'ai commandé sur Ali, j'ai vu qu'il venait de Bibicraft aussi. Donc, j'ai pris. Alors, est-ce que je vais avoir. Est-ce que vous allez voir? Ouais. J'ai pris le set de couture. Simplement. Pardon, je vais vous le montrer avec autre chose, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, je baille alors que tout va bien. Voilà, vous verrez mieux là-dessus. Donc, le set couture avec le mannequin, la machine à coudre qui fait très vintage, le ciseau de couture, le cintre, la pelote, les aiguilles. Alors, il y a des petites choses, je ne vois pas quoi. Ah, si, ça, d'accord, c'est pour mettre la laine, d'accord. Les boutons, boutons ronds, boutons en forme de cœur, les épingles, la nourrice. Et ça peut être pas mal pour faire une belle créa, une carte avec ceci. Ça peut être sympa d'assembler les deux. Voilà pour ce dies-là. Ouais, je me souviens plus des prix. Plus du tout. Ensuite, j'ai pris ce dies-là avec le nécessaire de coiffure. Donc avec le petit miroir, sèche-cheveux, le bol pour la coloration, brosse, peigne, la brosse à brushing. Là, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Peut-être un autre petit miroir, je ne sais pas trop. Il y a la.
la ouais. La petite l'aérosol avec la mousse, et là vous avez la mousse, vous avez un peigne pour les cheveux coupe afro, le lisseur ou pour gaufrer, bien sûr le ciseau, le pinceau, voilà. Donc là, et j'ai reçu dans le, c'est le même vendeur, j'ai trouvé celui-là trop bien pour les fêtes de fin d'année. Enfin, ça fait plus fête de fin d'année. Donc c'est le four avec les plaques de gâteau, les moules. Alors ça doit être des baguettes. Et en fait, cette partie-là, c'est la partie que vous collez au-dessus. Vous savez, ça fait très gazinière vintage américaine. Si vous regardez dans les séries américaines, des fois dans les vieilles maisons, les ranchs, ils ont ce genre de four, mais ils en ont encore, hein, bien sûr. Eux, ils sont restés assez comme ça. Donc, pardon. Donc, voilà, avec bah, les moules à gâteau, vous avez les petits bonhommes, les étoiles, les sapins, des petits cœurs. Et à l'intérieur, et ben, en fait, c'est les boutons. Tout simplement. Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors, où est-ce qu'on l'ouvre? Là. Je suis désolée de bâiller, hein. C'était pas prémédité, hein. Alors, oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est à assembler. Donc, vous avez les boutons pour la gazinière, pour le four. Là, ça doit être le thermostat. Ça doit être la température. Là, je ne sais pas. Mais je pense que c'est à assembler. Vous voyez là. Là, il y a les petits boutons donc, qui sont dessus. Ça, je ne sais pas. Ah, ça doit aller là, je suppose, pour l'heure ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, mais je regarderai sur AliExpress et je tâcherai de prendre l'image et de vous faire une belle créa avec mes dies. Donc, c'est pas mal. Je suis très contente. Très très contente de mes petites trouvailles. Celui-ci, j'ai tout de suite vu ce que j'allais faire avec. Ça, je m'en servirai pour faire celui-là, je vous le remonte, pour refaire des petites créas avec ma petite puce, parce que j'ai acheté un bloc de papier qui fait très fifi en fait. Donc ça pourrait être pas mal, comme elle adore le scrap, bah, faire des cartes ou ABC, ou Kiss, ou quelque chose, voilà, dans le, vraiment le style très fifi, très rose, très princesse, voilà. Donc voilà, mes petits achats que j'ai reçus bah, tout à l'heure. Par contre, il est tôt pour moi, je pensais qu'il était beaucoup plus tard que ça, mais non, en fait, il est hyper tôt. Donc voilà ce que j'ai pris. Alors, ce que je ferai, c'est comme je dois recevoir l'autre dies, ça peut être demain, enfin au moins cette semaine, je vous montrerai quand, bah, quand on fera une, quand je ferai une créa, on va dire spéciale cuisine, voilà, on fera une carte ou quelque chose pour les fêtes. Pardon. Je suis désolée, hein. Je vous montrerai bah, bien sûr ce que j'ai fait. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je ne vais pas revenir sur ma vidéo d'hier que beaucoup ont vue. Enfin, oui, j'ai poussé mon coup de gueule. Oui, j'ai eu un ras-le-bol, mais un gros, gros ras-le-bol. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis expliquée avec ma marraine ce matin. Donc, avis à ceux qui veulent lui parler aussi quand elle rentrera de vacances, elle est au courant. Donc, voilà. Je reste sur la chaîne bébé. Donc, elle m'a dit qu'il était hors de question que je parte de la chaîne bébé. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit ce que j'avais dit à une certaine personne, ce qu'elle avait dit sur le groupe. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses, comme elle dit, mais ça, je me suis expliqué avec la personne en question. Et voilà, donc voilà. Donc, elle écoutera tout le monde. Elle va rentrer en contact avec les autres personnes en qui je suis plus qu'un iceberg entre nous. Mais moi, je lui ai dit qu'il y a trois personnes, c'est terminé.
Je ne veux plus en entendre parler. Je me suis désabonné de leur chaîne. Bloqué. Après tout, voilà. Donc, j'ai pas peur de le redire. En attendant, j'ai très très bien dormi cette nuit. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas dormi, mais comme un bébé. Ça fait vraiment du bien. Et... Et ben ceux qui restent sur ma chaîne, bah écoutez, c'est avec plaisir que je vous partagerai mes créas, que je sois toute seule ou avec ma petite pépette, puisque elle est introduite, je les introduise dans ma chaîne et dans le titre forcément. Ceux qui veulent partir, bah vous partez, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci aux abonnés qui me restent fidèles. Ça me fait très très plaisir, surtout que je, même si on se connaît pas personnellement, qu'on s'est jamais fait de visio ou quoi que ce soit, à travers vos commentaires, je vous sens très très gentil. C'est des commentaires qui me touchent énormément. Donc je vous remercie infiniment. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Donc vous aurez la vidéo dans quelques minutes sur la chaîne Bébé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sissi, Nefera et l'Instant Poupon. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ce sont des vidéos assez courtes. Des vidéos bah, où on s'éclate à changer nos bébés. C'est un petit moment de douceur, un petit moment de d'innocence. Voilà, je cherchais le mot. Un petit moment d'innocence. Et bah, ça nous fait du bien, tout simplement. Et on pense à autre chose, et voilà. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah oui, créa. Voilà. Allez, bisous. Bye bye, je vous adore.